Donc ce soir j'avais envie d'un truc un peu plus détente. Et je me suis dit que jouer ce serait une bonne idée. Mais jouer quand on fait de l'admin 6 ou de la ligne de commande, bah ça peut être du jeu plutôt ligne de commande ou sysadmin. Et donc le jeu de ce soir s'appelle Game Shell. Et Game Shell, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un jeu qui a pour but en fait d'apprendre l'interpréteur de commande, généralement Bash, sous Unix. Je vais vous montrer le site. Hein. De toute façon, c'est la page GitHub du projet. Je vais même vous donner le lien. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait de... Hop là, voilà. Et je le mets aussi dans les liens du live sur Discord. Voilà. J'espère donc que vous avez passé un bon week-end. Hop, allons-y. Alors, comment installer le jeu? Hop, alors, normalement j'ai installé les prérequis. Est-ce que j'ai une nano sur cette machine? Je pense que oui. Proc PS, il n'y a pas de raison. Alors moi je suis pas sous Debian, hein, je suis sous Fedora. Donc on va commencer par regarder ces histoires de prérequis. Hop. Et on va faire ça. Hop là, voilà. Mieux comme ça. Allons-y. Est-ce qu'il s'appelle pareil le package? Ouais, il s'appelle pareil. Man-db, j'ai commandé. Parfait. PSMISC. Nickel. Nano. J'ai nano d'installer. Waouh. J'ai tri d'installer, ça c'est cool. BSD main utils. Ah. Est-ce qu'il existe au moins? DND. Non, je ne vais pas jouer à Donjons et Dragons ce soir. Oula. Poum. BSD Games, non. BSD. Ah, d'accord. Bon, on va peut-être voir s'il y a moyen de faire 100. X11-apps. Alors, de mémoire, c'est pour X-Size. Si je me rappelle bien. Et tiens, il y a un manuel utilisateur. Hop. Nano, tri, cal. Ah, cal, d'accord. Bon, j'ai cal. On va peut-être regarder dans quel package c'est. Util Linux, ok. Et donc X-Size. Et j'ai X-Size. Ok, cool. Bien. Ensuite. Ensuite, alors. Et bon, on va aller récupérer la toute dernière version. Hop. Comment ça, commande? Ah bah oui, bah yeah, fatalement, avec le copier-coller, il me met le dollar. Hop. Nickel. Dernière petite question, tiens, enfin dernière petite question. Est-ce qu'on joue au jeu en français ou est-ce qu'on joue au jeu en anglais? Je pense que comme on est dans un environnement, j'ai envie de dire francophone, l'anglais te va. L'anglais te va. Ça, c'est cool, Johnny Livingstone. L'anglais te va. Hop. Et le français aussi. Ah bah, alors là, je vais avoir du mal à choisir. Alors normalement, il y a moyen de faire des sondages, non? Tu n'aides pas beaucoup. Oh, mais si, mais si. Si déjà les deux te vont, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal hein, d'être, comment dire, d'avoir, j'ai envie
envie de dire, une certaine habitude sur, sur les deux langues. Ouais, voilà, c'est pas mal être polyglotte. Et ben, je pense que je vais lancer. Je vais peut-être le tenter en français. Parce que mon système étant. Ok, si je fais langue égale fr.utf8, hop. Je vais le mettre en français. Pas forcément pour. Pour Corben et pour John Livingstone qui auront aucun mal à comprendre, ni pour moi, mais pour d'éventuels d'autres spectateurs, en fait. Oui, voilà, étant donné la population sur le stream, sinon je streamerais en anglais, je streamerais en anglophone si le truc devait être absolument en anglais. Allez, on va lancer le jeu. J'espère que l'écran... bah tiens, je vais pouvoir enlever ça. Hop. On va se garder la page quelque part. Hop. On va se mettre ça comme ça. Éventuellement... ouais, on verra si j'ai besoin de me rajouter un deuxième terminal pour faire des essais. Allez, c'est parti. Il est 18h15. J'aimerais terminer les... la totalité des missions ce soir, mais bienvenue donc dans Game Shell. Ouais, alors le risque maintenant, ça va être que effectivement, alors si je fais ça, je voudrais garder un peu de, hop, voilà, comme ça, c'est bon pour tout le monde. Je vais appuyer sur entrée, je vais faire un petit exit et on va relancer le jeu. Voilà. Donc bienvenue dans Game Shell. Voilà, donc utiliser et gérer un ordinateur avec un système d'exploitation de type Unix comme Linux, BSD ou macOS. Bonsoir XDoomer01, bienvenue sur le live. Donc, utiliser un système d'exploitation de type Unix demande l'utilisation d'une interface en ligne de commande appelée Shell. Dans ce jeu, vous allez apprendre à utiliser le Shell au travers de diverses missions impliquant des tâches habituelles comme créer des répertoires, créer, éditer ou visualiser des fichiers, chercher les fichiers satisfaisant certains critères, lancer ou arrêter des programmes, etc. Et durant votre aventure, il vous sera demandé de vous rendre dans des lieux, d'interagir avec des personnages, je ne me demande bien qui, et de trouver des objets. Cependant, gardez à l'esprit que tous ces éléments du jeu font référence à des concepts standards, des répertoires, des programmes et des fichiers avec un contenu qui peut être aléatoire. Ainsi, par exemple, construire une hutte signifie créer un dossier hutte, et mettre la pièce dans le coffre signifie déplacer un fichier pièce dans un répertoire coffre. Donc comme je disais, au moment où mon micro était éteint, j'ai utilisé ce jeu lors de cours avec des étudiants. Ils ont beaucoup aimé. Donc bon, les premières missions vont être assez basiques. Hein. Et avant d'attaquer d'ailleurs la première mission, je vais vous montrer un peu l'index des niveaux. Voilà, on en a 42. Alors vous voyez pas, oui vous voyez pas, vous voyez la 41, mais vous allez voir, enfin il y en a 42 et c'est assez, ça va être assez sympa. Alors c'est une excellente question de John Livingstone. Ça se passe, tout du moins, je pense que ça se passe dans un environnement CH-routé, mais je suis pas allé étudier le code source plus que ça. Tu peux aller regarder le projet sur GitHub. En tout cas, ça se passe dans un environnement cloisonné. Je vais revenir ici. Si je fais un PWD, tu vois que je suis... alors moi, j'ai cloné le projet, enfin j'ai téléchargé le projet dans mon répertoire Project, le jeu en tout cas. Et tu vois que je suis dans un répertoire GameShell/World.
Et donc XDoomer01, effectivement, John Livingston vient de te répondre, c'est un jeu didactique pour apprendre à utiliser le shell. Normalement, c'est surtout orienté bash, mais d'après ce que j'ai lu, ça marche aussi avec du ZSH. Donc, à chaque début de niveau, la question qu'on va se poser, c'est quel est le but du niveau pour passer au niveau suivant. Et on va utiliser GSH Goal. Hey, bonsoir Fneufneu. Bienvenue sur le live. J'espère que tu as passé un bon week-end. Alors. Bon, allez tout en haut du donjon et là, on nous donne les commandes. Alors ce qui est assez sympa voilà, avec ce jeu, c'est qu'il indique les commandes qu'il va falloir utiliser pour accomplir la mission. Donc, LSPWD, jusque-là, tout va bien. Hein. Alors, ce qu'il va peut-être falloir que je fasse, c'est que je fasse ça et que je descende. Est-ce que j'ai moyen de le descendre? Oui, hop là. Tac. Voilà. Comme ça, hop, si je relance. Bon, ce sera pas en entier, mais au moins, vous verrez à peu près tout le truc. Modulo, modulo le petit coin par là, ça. Bon, bref. Enfin, peut-être que je baisse un petit peu le... hop, voilà, ce sera bien comme ça. Bien, j'espère que c'est toujours lisible pour tout le monde. Alors, LSPWD, et le but c'est d'aller en haut du donjon. Donc, PWD, LS... Alors, je vais commencer déjà à utiliser des options parce que j'ai un peu à l'habitude. Et donc, le but est d'aller dans le haut du donjon. Alors, bah, j'ai envie de dire, c'est des châteaux. Donjon. Premier étage. Deuxième étage. Haut du donjon. Et il se passe rien. Donc, maintenant, je peux utiliser la commande GSH check qui me permet de vérifier si j'ai bien réussi le niveau. Ouais, j'ai réussi la mission 1. C'est pas mal déjà, hein. Je sais faire LS et CD. C'est bon, je peux être embauché comme sysadmin maintenant. Mission 2, allons-y. GSH check. Ah bah non, GSH goal. Ah. Alors, cette fois-ci, il faut aller dans la cave du château. Et là, en objectif secondaire, il faut que j'apprenne à faire la différence entre CD- et CD... CD tiret, on me dit, ça retourne dans le lieu précédent et CD point point, ça se déplace dans le répertoire parent, le lieu qui se trouve avant le lieu actuel dans la liste donnée par PWD. Alors, PWD, donc je suis dans le haut du donjon et l'idée, ça va être de, ça va être d'aller dans la cave du château. Bon, on va faire un CD point point, non, je dis point point. Hop. Voilà, où est-ce que je suis? Je suis dans le donjon. Hop. Et ensuite, direction la cave. Non, monsieur, pour être embauché, il faut connaître Kubernetes, Docker, AWS, PMP, Ansible, Node.js, Salt. Tout ça pour le SMIC. Ah. Alors, figure-toi que Kubernetes, ça fait partie des choses sur lesquelles je suis en train de lorgner un peu. J'ai pas encore pris vraiment le temps de m'y mettre. Je me suis vaguement intéressé au sujet. J'ai voulu tenter une première install avec des VM à l'arrache sur une petite bécane, mais je pense que je vais devoir y passer quelques heures. Mais ça m'intéresse. Hein, ça m'intéresse. Peut-être même que je pourrais essayer de faire des lives conteneurs et Kubernetes bientôt. Enfin, peut-être. Je promets rien. Hein, attention. Hein. Je promets rien. N'allez pas me réclamer un live Kubernetes alors que j'y ai pas encore touché. par contre, PMP, ça me dit rien du tout, tiens. Autant les autres trucs, je sais que par exemple, Node.js... Non, pitié, pas Node.js, s'il vous plaît. Me faites pas faire du Node.js. Bref, je suis dans la cave normalement, donc je devrais pouvoir faire un GSH check. Bravo. Allez, c'est parti, je suis à la mission 3. Tout un tas de compétences. Ah ouais, donc PMP, c'était rien du tout, en fait. C'est juste un truc...
Alors, on va retourner au point de départ. Ah bah, en fait, j'ai entre guillemets... Non, j'ai pas triché. Parce que j'ai fait des CD point point. J'ai même pas utilisé CD tiret. Par contre, revenir au lieu initial, et puis ensuite, on peut aller... Ah bah, ça, oui, par contre, j'ai triché, là, techniquement, on va dire. Ce qui est assez marrant, c'est que... quand j'ai découvert le jeu Game Shell, et que j'ai commencé à l'utiliser, il y a des choses que j'ai faites assez instinctivement pour avancer très vite dans les niveaux, en utilisant des commandes qui n'étaient pas forcément listées dans les commandes utiles. Ce qui fait que, par exemple, le niveau 1, enfin, on fait un petit tri ou un LS moins, moins R, on voit tout de suite où est le haut du donjon et on s'y rend en une commande ou deux. Alors là, le but c'est d'aller au point de départ puis aller dans la salle du trône en utilisant seulement deux commandes. Donc, je suis où? Je suis dans la cave. Donc, si je fais un CD, puis un PWD, je suis dans World, tout va bien. Et maintenant, le but, je vais le remettre, c'est d'aller dans la salle du trône. Donc, il faut que j'aille dans le château, que j'aille dans la grande salle, je suppose. Non, dans le bâtiment principal, peut-être. Salle du trône, voilà. Donc là, par contre, si je fais un GSH check, il va me dire, hey, au fait, mec, voilà. Donc, alors, ce que je peux faire, c'est faire un petit copier-coller. Et je peux faire CD, CD, hop. Et normalement, tout va bien. À partir de maintenant, le lieu actuel sera affiché juste avant la vie de commande. C'est gentil. Merci beaucoup, GameShell. Ça va m'aider. Ça va m'aider. Alors, quel est le but de la mission 3? Alors, il faut construire une hutte dans la forêt et un coffre dans la hutte. On va retourner à la base. On va aller dans la forêt. M qui a dire hutte. CD hutte. M qui a dire. Hop. M qui a dire coffre. Bravo. Bon, j'explique pas forcément tout, hein, parce que ça reste pour l'instant les bases. Je pense que jusque-là, j'apprends rien à personne. Hop. Retourner dans la cave et supprimer les araignées qui s'y trouvent. Laissez les chauves-souris tranquilles. Elles apparaissent sur le blason du château et on dit qu'elles portent chance. Serait-on dans le château de Batman? Donc, nous sommes dans la forêt, dans la hutte. Hop. On va aller dans le château, dans la cave. On a des araignées, des chauves-souris... un tonneau de pommes. Et donc on va faire un petit RM et on fait péter les araignées. Bon, j'essaie de jouer le jeu, hein. J'aurais pu faire un araignée underscore étoile. Hein. Ok. Donc là maintenant on va apprendre MV et on va apprendre tilde. Ramassez toutes les pièces qui se trouvent dans le jardin en face du château. Et placez-les dans votre coffre. Ok. Donc, on retourne à la base, on va dans le jardin, et on a des pièces. Allons-y. Pièce 1, pièce 2, pièce 3. Et on va aller, donc il faut aller dans forêt, hutte, coffre. Histoire d'être un petit peu plus... hop là. Et là, tout va bien, normalement. Ouais, X-Doomer, hein, c'est pas mal pour apprendre, hein, je trouve. Et ensuite, bah, GSH check. Ça, c'est cool. Et puis, les premières missions, honnêtement, elles vont assez vite. Tiens, par exemple, là, on nous apprend LS moins grand A. Parce qu'il faut vraiment ramasser toutes les pièces. Et visiblement, certaines étaient planquées. Hop. Et on nous apprend aussi le tab et le tab-tab. Allons-y. Donc MV
point. Alors. Tac. Et à nouveau, tilde slash forêt hut coffre. Allez, c'est reparti. Cette fois-ci, on va enfin apprendre les motifs comme l'étoile et le point d'interrogation. Ça, c'est cool. Maintenant, il faut vraiment supprimer toutes les araignées qui grouillent dans la cave sans toucher aux chauves-souris. Donc, direction cd-tilde slash château cave. Et là, il y a un paquet d'araignées. Donc il faut supprimer les araignées et pas toucher aux chauves-souris. Bon bah RM moins, alors on va faire un petit moins V. Et on fait étoile underscore araignée underscore étoile. Remarque les, ah si, les araignées des fois elles ont 1, des fois elles ont 2 chiffres. Voilà. Les araignées deviennent plus intelligentes. Elles ont appris à se cacher. Ah! Parce que si du coup je refais un RM-F comme ça. Alors. Alors les jokers étoiles, les points d'interrogation ne voient pas les fichiers cachés. Il faut ajouter un point explicite en début du motif. Donc. Hop. Nickel. À partir de maintenant, la commande ls affichera automatiquement un caractère slash à la fin des répertoires. Ouf. Les quatre étendards de la grande salle du château sont vraiment très jolis. Les volets ne passeraient pas inaperçus, alors faites-en une copie dans votre coffre. Donc il faut aller dans la grande salle du château cette fois-ci. On va peut-être en profiter pour jeter un œil à tout ça. Alors 47 tête de cerf. Ok, pas mal. Ah, ils font de la ski art aussi, c'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Bouclier décoratif. Oh, oh. Je voudrais juste vérifier quel est le goal. Ils indiquent juste le CP. Ils disent pas comment on les affiche. Mais ok. Ah, ils sont forts en ASCII art, hein, les gens. Bon. À la base, c'était les étendards, c'est ça, hein? Ok, bon. Par contre, les étendards... Ça te fait un peu penser à VimTutor. Oui, je trouve aussi. Je trouve aussi encore que ça fait longtemps que j'ai pas fait de VimTutor, tiens. Allons-y. Étendard. C'est lequel? Faut copier les 4. Faites-en une copie. Ouais, faut copier les 4. Dans tilde slash. Alors, dans la forêt, dans la hutte, dans le coffre. Voilà. Ensuite, non, GSH check. Hop là. Toutes les tapisseries de la grande salle du château sont exactes. Ah bah oui, je suis assez d'accord. Donc, et là tout à coup il y a des tapisseries qui apparaissent. Ça qui est assez amusant, c'est qu'à chaque niveau, s'il y a besoin de créer des éléments supplémentaires, le jeu les crée. Et s'ils apparaissaient pas avant, bah maintenant ils apparaissent. Donc il dit bien une copie des tapisseries. Bon bah CP-V bah, étoile underscore tapisserie. Étoile dans slash. Donc on a dit forêt hut coffre. Et j'espère qu'il est grand mon coffre, hein. Je vais quand même jeter un œil à une d'entre elles, tiens, allez, on va regarder la tapisserie 01. Ok. Hop, puis celle-là. Ouais, bon, un peu la même chose. Ouais.
Dommage. C'est juste ça qui change, en fait. Très bien. Au premier étage du donjon se trouvent de superbes tableaux. Ajoutez une copie du plus vieux d'entre eux à votre coffre. Et c'est là où on nous apprend ls-l pour afficher la liste des fichiers avec des informations. Donc, au premier étage du donjon. Hop. Et on a des tableaux. On a des tableaux et on a les dates. Alors, ce que je trouve assez fantastique, c'est qu'ils ont réussi à avoir un fichier avec une date de création en septembre 1980. Ah, pas mal. On reconnaît R2 et C3PO. Qu'est-ce qu'on a dans l'autre? Ceci n'est pas un... Il y en a qui ont la ref sur le chat. Dites-moi si vous avez la ref sur celui-là. Hop, et le dernier. Ah bah, Mona Lisa Masky Art. J'avoue, ils ont de l'humour, hein. Ils ont de l'humour. Donc c'est le plus vieux, hein, c'est ça? Le plus vieux d'entre eux. Sauf s'il y a une ref dans la ref, oui. Je pense que c'est le tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe. Je pense que c'est juste ça, hein. Je pense pas qu'il y ait une ref supplémentaire. Hop, donc on a dit le plus vieux. Alors. Donc ce sera celui de Star Wars. Hop, et direction le coffre. Direction le coffre, donc forêt, hutte, coffre. Voilà. Et c'est reparti. Alors, oula. On commence à nous parler de Nostradamus. Alors, quand il parlait de personnages, je pensais pas qu'il irait taper dans le genre de personnage en mode on va faire des prédictions. Il a prévu une conjonction spectaculaire des astres pour le 18 octobre 2082. Lorsque vous le... Mais sur quel jour de la semaine tombera donc cette date? Ah oui. Cal 2082. Donc il a dit quoi? Il a dit... 18 octobre 2082. Donc, octobre et le 18. Donc ça tomberait un dimanche. Et donc, réponse 7. Ouf! Pour changer la date d'un fichier, il y a l'attribut -d pour touch. Ah! Ah, tu m'apprends un truc là, John Livingston. Ah. Ça, c'est cool. Allons-y. Hop là. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut même pas se fier aux dates de création et de modification des fichiers, des fois. Hein. On passerait peut-être notre temps dans des trucs qui sont complètement faux. On nous ment du début à la fin. Et je parle pas de Emile qui nous ment. Hein. Je parle de on nous ment. Si ça se trouve, on est tous enfermés dans des capsules, et en fait on sert tous de piles électriques pour des machines. La man page ne mentionne même pas le fait de devoir être route. Ah, parce que pour faire... Oui, on remarque, tu me diras, le jeu je le lance en utilisateur. Le jeu je le lance dans l'utilisateur, hein, il n'a pas besoin de droits particuliers. Hein. Ah, tu parles de touch-d, ouais. Non mais c'est ça. Touch-D, si ça se trouve... moi, le jeu, je l'ai lancé... Si ça se trouve, le jeu utilise Touch-D pour créer un fichier avec une date de création très ancienne et... qui est quand même vraiment ancienne. Genre qui date d'avant la création du jeu. Et s'il n'y a pas besoin d'être route pour faire Touch-D, c'est plutôt pas mal parce que le jeu n'est pas... Je ne le lance pas en tant que route. D'ailleurs, je pense que du coup, le jeu n'utilise pas CH-Root, parce que je crois qu'il faut être Root pour faire CH-Root. Chercher les fichiers cachés prend trop de temps. Non, sans...
Ah ouais, pas mal. Ah ouais, pas mal. On peut faire un touch moins D 1980 0401. Alors là, moi je. C'est beau, hein. C'est beau Unix quand même. Alors, on va créer un raccourci. Ah, ok. On va commencer à définir les alias. Bon, bah, alias. Et puis. Hop. Il y a un joli caillou caché juste là où vous êtes. Ah oui, c'est vrai. Il y a un joli caillou. Oh! Allons-y. Normalement, rien que le fait d'avoir défini l'alias permet de passer au niveau suivant. Hop! Créez un fichier journal nommé journal.txt dans votre coffre et inscrivez-y un petit message. Ok. Alors, on nous parle de nano. Bon, bah écoute, nano. Dans mon coffre. Donc. Dans forêt hut coffre et on a dit journal.txt. J'utilise très rarement nano. Et on nous a dit un petit message. Ok. On va être bête et méchant. Un petit message. Voilà. Et ensuite, pour écrire, contrôle O, ça c'est. Hop, voilà. N'utilisez pas contrôle-S ou contrôle-Z. Ah. Hop là. Ouais, j'ai réussi. GSH. Ah, c'est SH. GSH. Goal. Allons-y. On va créer un alias journal pour pouvoir éditer facilement notre fichier journal. Et il faut utiliser le chemin complet. Et pour éviter de taper cette commande en entier à chaque fois, créer un alias journal. Ok. D'accord. Donc, bah on va reprendre. Hop. On avait fait. Ah bah, c'est pile ce que j'avais fait. Donc alias. Hop là. Journal égal. Hop. Ça va, tout le monde suit? Je fais pas des trucs de science de roquette là, hein. Alors, maintenant je peux utiliser le fichier .gshrc pour sauvegarder des alias. Ah bah, on va se gêner, tiens. On va se gêner. VI. Allez. Et puis on va rajouter ces deux-là, tiens. Ah, ils avaient aliasé le LS. Oh, tiens, on peut même rajouter ses propres alias. Allez, alias, GG. Ah, c'est pas mal ça, tiens. Égal. GSH goal. Hop. Et GC pour GSH check. J'aime beaucoup. Je suppose qu'il va falloir que je source le fichier. Si je redéfinis mes alias, nickel. Ah bah, en même temps, j'ai même pas regardé la mission. Hop, alors. Au fond de la cave, il y a une petite ouverture invisible qui mène dans la tanière de la reine des araignées. Bah, des araignées. Rendez-vous dans cette tanière et supprimez la reine des araignées et rien d'autre. Remarque, vous avez un temps limité pour effectuer cette tâche. Vous pouvez utiliser la commande GSH reset pour réinitialiser le chronomètre. D'autre part, les motifs shell ont été. Non! On peut pas utiliser les jokers! Fichtre! Alors, il y a une petite ouverture invisible qui mène dans la tanière là, au fond de la cave. CD. Château. Une cave. Voilà. Ah d'accord, et on a la reine, la tanière. Oh punaise, ils nous ont mis des espaces dans le nom du fichier. Ok, et là si je fais un GC, normalement il va me dire au fait t'as mis plus de 20 secondes. Voilà.
Ouf, j'ai réussi. Eh, ça a été rapide, hein. Parfait. Ah non, tiens, je pensais que j'avais mis plus de temps que ça. J'ai mis 8 secondes. Bon, heureusement, j'étais déjà dans la cave, donc ça joue. Ça aide. Bien, maintenant, quel est le niveau suivant? Alors, pendant que vous vous promenez dans le château, vous avez l'impression qu'on vous observe. Si vous tournez la tête rapidement, vous verrez peut-être que les yeux d'une peinture vous suivent. Lancez la commande X-Size. Puis stoppez là. Le bon vieux X-Size. Là, 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 là. Hop. Et ensuite, on lance la commande X-Size en tâche de fond. Où est-ce que je vais mettre ça, tiens? Eh, mais... Dépasser où? Voilà. Hop. On va le mettre là. Le X-Size. Ouais. Alors, pour l'anecdote, la dernière fois que j'avais lancé X-Size, avant l'utilisation de GameShell, j'avais été en formation, dans un organisme de formation, et il s'avère que les postes de travail, non seulement des entre guillemets stagiaires, mais aussi du formateur, étaient, comment dire, ils étaient normalisés, matricés, on peut dire, et jusqu'à un point où en fait les mots de passe étaient identiques dans toute la salle, y compris sur le poste du formateur. Donc c'était pas, comment dire, c'était pas l'ordinateur personnel du formateur, hein, c'était un PC fixe qui avait été qui était réinstallé avec un système prévu. Et en fait, pour plaisanter, je me suis connecté sur la machine du prof. J'avais exporté justement le. J'avais. Je me rappelle même plus parce que ça se fait plus maintenant. On le fait plus souvent, ça, de devoir exporter la variable d'environnement qui va bien pour le numéro d'écran dans X11. Et ensuite, j'avais lancé X-Size sur son écran, qui projetait dans toute la salle. Et il a mis peut-être 10, 10-15 minutes à se rendre compte qu'il y avait un X-Size qui tournait dans un coin de l'écran. Ça avait été assez drôle. Bon, après, il m'a un peu, alors je vais pas dire pris en grippe pendant le reste de la formation, parce que bon, quand il a demandé rapidement qui avait lancé un X-Size sur sa session, je me suis dénoncé. Enfin, faut pas non plus exagérer. Je faisais juste ça pour m'amuser. Ensuite, ça a été. Bon, bah alors Nils, et puis Nils, tu fais ça, et puis Nils, tu fais ça. C'était assez drôle. Bien. Ah oui, d'accord, oui, du coup, je perds le X-Size vu qu'il est derrière le terminal. Bon, bah. Je vais l'arrêter là dans ce cas-là. Parce que si je le glisse. Hop. Allez, au revoir, X-Size. Tac. Le coup qu'on avait fait en salle de TP une fois, c'était l'ouverture synchronisée de tous les lecteurs CD. Ça a dû être drôle. Tous les lecteurs CD qui s'ouvrent en même temps, ça a dû être pas mal, effectivement. Ça a dû être pas mal. Ah, j'aurais voulu voir ça, tiens. J'aurais voulu voir ça. Bien, pendant que je me promène dans le chat. Oui, ben ça c'est bon. Hop. Franchement, pourquoi j'ai jamais pensé aux alias GG et GC avant? Franchement. Alors. Il faut retrouver la pièce de bronze dans le petit labyrinthe jardin et la déplacer dans mon coffre. Je peux utiliser le gestionnaire de fichiers. Ah, on est déjà mission 19, c'est vrai. Pour cela, il faut aller dans le répertoire. Nanana. Ouais, ok. Ah oui, tiens, c'est l'occasion de vérifier un autre truc. C'est que voilà. Pour le jeu, le répertoire tilde. C'est pas juste slash home slash nils, c'est slash home, c'est. Je reprends. C'est slash home slash nils, slash project, slash game shell, slash world. Qui en fait, world, c'est. Attends, je vais vérifier un truc. Ouais, c'est bien ça. Le répertoire. Qu'est-ce que donne un écho de la home? Alors, on peut le faire. De la home, voilà, en fait il redéfinit mon home. Il redéfinit mon home. Bien. Alors. Donc il faut aller dans le labyrinthe.
Alors, je le fais de manière un peu méthodique, mais je n'utilise volontairement pas d'autres commandes que celles que je suis censé avoir apprises dans le jeu, parce que sinon, enfin honnêtement, vous faites un find ou un tri et vous trouvez très rapidement le truc. Oui, hein, effectivement, John, je suis assez d'accord. C'était quoi déjà le but du jeu, du niveau? Faut que je retrouve la pièce de bronze, ça c'est fait, et que je la déplace dans mon coffre. Donc je la déplace hein, dans mon coffre. Donc hop. Ah, c'est des hauts. Ok. Hop. Forêt. Hutte. Coffre. Il doit commencer à prendre de la place mon coffre quand même. kilos. Ouais, bon. À partir de maintenant, la commande ls essaiera d'utiliser un code couleur pour différencier les fichiers et les répertoires, ainsi que certains types de fichiers. Ah! Ah oui, mieux. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser... Hop. Pourtant, je joue en français, et là, le truc, il m'a dit « You are back at the entrance of the maze ». Faudrait peut-être que je me note ça quelque part et qu'on remonte au projet, tiens. Est-ce que j'ai pas un... Tuc, 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 tuc. Comme ça, on pourra ouvrir une issue. Hop. Alors, je fais ça hors de l'écran. Hein. Un petit instant. Donc, mission 20. Non, mission 19. Mission 19 à 20. En VF, on a le message en anglais. Hop. Voilà. Je me suis fait une petite note. Bien. Alors, maintenant, il faut retrouver la pièce d'argent dans le petit labyrinthe du jardin. Et déplacer-la dans mon coffre en utilisant ce shell. Cette fois-ci, voilà. Cette fois-ci, on va pouvoir faire le ls récursif. Et utiliser la commande tree. Donc là, je suis dans le labyrinthe. Et il faut aller retrouver... la pièce d'argent... Ok. Donc, CD, ça. Hop. Eh, mais attends, mais je vais pas m'emmerder, en fait. MV. Hop. Ça. Ça. Normalement, il faut que je rajoute ça. Et donc, vous vous doutez bien qu'avec les noms des répertoires qui sont comme ça, en fait, le truc, comment dire? Si jamais je quittais le jeu, que je le relançais et que je décidais de refaire cette mission-là, les noms des répertoires seraient pas les mêmes. Je vais l'essayer, tiens. C'est une bonne idée que tu as, John Livingstone. C'est une bonne idée, tiens. T'as mis le nombre d'étoiles au pif. Ah, bah alors attends. Il en faut combien? 1, 2, 3 et étoile argent. 3. Étoile slash étoile. J'ai dit étoile. Étoile slash étoile argent. Étoile. Ouais, étoile. Dans. Alors attends, on va faire un MV-V tant qu'à faire. Hop, dans. Til forêt. Hut, coffre. Alors, ça pourrait être assez amusant d'aller vérifier dans le code source de la mission si la profondeur est fixe.
si la profondeur est fixe, c'est, j'ai envie de dire, c'est un moyen de tricher très amusant. C'est pas mal, j'aime bien. Bravo, bravo Johnny Livingstone. Allons-y. Retrouvez les deux pièces d'or dans le labyrinthe du jardin et déplacez-les dans votre coffre avec la commande find. Ok. Donc, bah, find point, hop là, find point, moins type f, moins iname, moins name. Non, moins iname, on va faire un moins iname. Hey, bonsoir Rigaudron. La pub t'a... Oh bah mince alors. Ah, vilaine pub. Alors. Ok. Allez, volontairement. Ah oui, bah oui, bah oui, fatalement, ouais. Et là, il y a 1, 2, 3. Pareil. 1, 2, 3. Donc on peut réutiliser la même astuce de John Livingstone. Hop. Et on peut faire. Alors par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir or avec un R majuscule et or avec un R minuscule. Avec un moins i. Comment ça avec un moins i? Je suis pas sûr que. Ouais. Non, 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 le moins i, c'est pour prompter avant d'écraser un fichier existant. Ceci étant. Ouais, bon, on va pas s'embêter, on va faire ça. OR étoile, hop. Et OR, hop, comme ça. Voilà. Je pense qu'on doit pouvoir faire un motif assez simple en disant R minuscule ou R majuscule. Voire même D apostrophe, enfin avec du coup le D minuscule, le D. Bien. Mission 21, il est 18h56. Donc jusque-là, on avance. On est en théorie quasiment à la moitié du jeu. On doit aussi. Oui, on doit pouvoir faire avec un find moins moins exec. Après, j'essaye. L'idée, c'est quand même, au cas où des gens regardent cette vidéo plus tard en VOD, si jamais des gens sont pas trop habitués au shell, je vais pas commencer, entre guillemets, à power leveler exprès sans expliquer les choses. Oui, c'est vrai, le jeu proposait de lire l'aide de find, c'est vrai. Quelque part, il donne l'astuce pour aller plus vite. Alors, Rigaudron, ça m'embête beaucoup pour toi, parce que du coup, tu profites pas. C'est dommage. Tu loupes. Tu loupes le. Tu loupes des choses. J'ai envie de dire, alors après perso, je suis pas un grand fan de Chrome. Eh, mais vous êtes neuf ce soir. Eh, pas mal. Je sais pas, essaye avec un autre navigateur. T'es obligé de cliquer sur attendre. Ouais, bah écoute, si Chrome te saoule, change de navigateur, j'ai envie de dire. Après, moi, je suis plutôt Team Firefox. Alors bon, après, je suis pas objectif. Voilà. Ah bah, je suis pas le seul, visiblement. Bien, continuons sur ces bonnes paroles. Continuons la mission 22. Un vieil ermite un peu tête en l'air appelé Servilius. Tu vas pas troller. C'est gentil, John Livingstone. Donc, un vieil ermite un peu tête en l'air appelé Servilius, hein, ça aurait pu être moi, s'est installé dans une grotte avec son vieux livre de potions. Ok. Tu as quitté la page, tu vois.
C'est le running gag de la soirée, Rigaudron. Rigaudron et son navigateur qui plantouille. Il en fallait un, ce soir c'est Rigaudron. Rendez-vous dans la grotte et aidez-le à retrouver la recette de sa célèbre tisane. Eh ben écoute, Hermius, j'espère que tu en as de la tisane, puisque moi, mon verre est vide. Pour valider la mission, votre dernière commande avant GSH Check doit afficher cette recette avec son titre, mais rien d'autre. Ok. Donc déjà, il faut aller dans la grotte et aller trouver Servius. Et je suppose que... s'il est dans la grotte... il doit être, je sais pas moi, dans la montagne. Voilà. Ça va, j'ai trouvé vite. Hein. Et donc, coucou Servius. Alors, est-ce qu'il texte? Oh, c'est mignon, ils ont même fait de l'arskiart avec le vieux Servius et sa marmite. Y a pas à dire. Je sais pas si un jour les développeurs de Game Shell vont regarder cette vidéo, mais je vous adore. allons. Livre de potions. Le genre de jeu qui doit être tout aussi fun à faire qu'à jouer. Fun, je sais pas. Intéressant. Intéressant, très certainement. Je pense qu'ils ont dû apprendre un paquet de trucs à... Et j'avais jeté un petit coup d'œil dans des pull requests ou dans des issues. Des fois, sur la manière dont ils font les choses, ouais, j'ai l'impression qu'ils s'en voient un peu. Hein. Donc, j'ai envie de dire, si vous avez envie de... d'améliorer vos compétences, vos connaissances en shell, je pense que contribuer à ce jeu, ça doit être un sacré... un bon moyen. Surtout qu'en plus, ils sont pas contre faire des missions en plus, notamment dans les trucs qui leur manquent, c'est faire c'est la gestion des liens symboliques. Ils ont pas fait de niveau sur les liens symboliques. Ah ouais, c'est très gentil, John Livingstone, tu peux redonner le lien. Franchement, c'est un projet qui gagne à être connu. Moi, je l'ai découvert sur linuxaffaires.org. Alors bon, je sais, je prêche un peu pour un site qui me tient très à cœur régulièrement, mais voilà, il y a eu deux actus sur le sujet, une première pour présenter le jeu et une deuxième quand il y a eu quelques mises à jour, notamment suite à la première actu. Franchement, c'était une belle découverte. T'as du reverse à faire. Ok. Bien. Alors, livre de potions. Et donc, on veut la tisane, hein, c'est ça? Tac, tac, tac. On veut sa célèbre tisane. Donc, je suppose que c'est la tisane aux herbes. Page 7. Et on doit afficher cette recette avec son titre, mais rien d'autre. Ah oui, et puis du coup, il y a la potion d'invisibilité. Donc c'est pour ça qu'on nous dit d'utiliser des trucs comme Head et Tail. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ça m'a l'air bon, hein? Allez. What? Je ne suis pas dans la caverne avec Servius. Ah, ok. Voilà. C'est... On peut pas être dans le livre. On doit être dans la cave avec Servius. Je peux pas me téléporter dans un livre, quel dommage. Oui, le projet est récent, je confirme. Allons-y. Quelle est la mission 23? Le vieil homme a l'air de vraiment... Oh bah c'est gentil ça, Servius. Moi aussi, je suis content d'être avec toi. J'ai vu que tu avais une potion d'invisibilité, ça m'intéresse potentiellement. On va rester pour le repas. Bah c'est parfait, hé hey, 19h03, mission 23, et le mec m'invite à rester pour le repas. Promis, je l'ai pas fait exprès. Hein.
Un ragoût. Pourquoi pas? Il prépare le chaudron et il me demande de l'aide. Il faut que je lise les étapes de la recette dans son livre. Ouais, moi aussi, ça me donne faim, tiens. Alors. Alors, on va lire la table des matières. Et on a dit qu'il faut le ragoût. Ragoût de champignons vénéneux. Ah. Ah. Servius, t'es sûr que tu veux me faire ton ragoût, là, ce soir? Je suis moins chaud, tiens. Ouais, moi aussi, ça me donne moins faim. Ouais. Je sais pas, on peut pas, je sais pas, moi, genre faire la bière du roi à la place, ça peut être sympa, non? Alors, que les choses soient très claires, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein. Consommer avec modération. La ligne 12 à la limite. Ah bah. Les grands esprits se rencontrent, John. Les grands esprits se rencontrent. Donc, eh bah, page 12, hein. Hop, page 12. Donc on a là le ragoût de champignons vénéneux, ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me demande, lisez-lui les étapes de la... Pour valider la mission, afficher les étapes de la recette sans le titre. Donc là, on va faire un tail. Bon, bah, ce sera tail moins 9. Hein. Hop. Nickel. Pendant qu'il fait la vaisselle. Oh, et en plus, il fait la vaisselle. Bon, franchement, c'est un mec bien, Servius. Hein. Il parle d'une potion intéressante qui donne temporairement au buveur l'apparence physique de quelqu'un d'autre. Lisez cette recette dans le livre de l'ermite. Bon, bah, on va refaire comme d'habitude. On y a le livre de potions et la table des matières. Et on voit que c'est la potion de transformation qui est dans les pages 1 et 2. Donc, 4, livre de potions, page 01, livre de potions, page 02. Ok. Juste par précaution. Tac, tac, tac. Recette complète avec le titre. Bah, ça m'a l'air pas mal, hein. Allez, hop. C'est reparti. Le vieil ermite remarque mon intérêt pour les recettes de potions. Il me met au défi de trouver les étapes de l'élixir de jeunesse. Pour valider la mission, votre dernière commande avant le GSH check doit afficher les étapes de la recette, mais pas son titre. Donc là, on va devoir faire joujou avec Kat, comme ça on l'a déjà fait, avec Tail. Et on va commencer à utiliser les... Alors, c'est assez marrant parce que j'ai toujours... Enfin, j'ai peut-être appris le nom en français à l'école, mais je l'ai très vite oublié. Et moi, cette barre verticale, je dis toujours pipe. Et Alan, et pour l'anecdote, quand les étudiants ont commencé à me parler des tubes, je me suis dit, mais attends, les tubes. Ah, mais oui, il s'agit du pipe. j'ai eu un petit instant de mince. Donc, comme quoi... Hey, merci pour le follow, Wizex. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi. J'espère que tu passes un bon moment sur le stream. Merci beaucoup. D'où ça vient, le tube? Je vois passer un article sur les tubes, j'ai bugué. Bien. Alors. Voyons voir ça. Donc, l'idée... Voyons voir... Alors, je vais vous demander deux petites secondes. Je reviens dans un instant. Hop là.
et me revoici. Les histoires de Servilus me donnent soif, donc de l'eau. Alors, Wizax, tu es étudiant en école d'ingé, mais apprenti sysadmin en alternance. Bah c'est chouette ça. C'est chouette, bah j'espère que tu vas apprendre des choses ce soir. Alors, voyons voir les tubes, enfin les pipes. Désolé, hein, j'arriverai pas à les appeler les tubes. Donc, hey, hello Xavier G. Bienvenue sur le stream. Donc, notre vieil ermite, il veut qu'on trouve les étapes de l'élixir de jeunesse. Alors, on va retrouver, c'est pas ça que je veux, c'est la table des matières. L'élixir de jeunesse se trouve page 3 et 4. Donc j'ai envie de dire, on va reprendre ça, on va lire la page 3 et on va lire la page 4. Attention, ne pas boire après 30 ans. Ah. Page 3 et page 4. D'accord. Tout à fait, Wizax. C'est un jeu qui s'appelle Game Shell. Je vais te retrouver le lien tout de suite. Hop. Et le poster dans le live. Hop. Ah bah. Grillé par John Livingstone. Bien, bien, bien. Donc, il faut afficher les étapes de la recette, mais pas le titre. Donc, ah bah, tu es très utile, John Livingstone. Tu es très utile. Tiens, d'ailleurs, vu que tu es très utile... Ah, je peux pas le faire là, comme ça. Si. Il y a moyen de te passer VIP ou... comment je vais te passer VIP comme ça? Bon. Je... Hop. Mais tu vas finir VIP, John. Tu vas finir VIP après le stream. J'irai regarder. tu peux faire clone et run, ou alors dans le... Dans le Getting Started, tu as un wget avec d'une archive directe qui te donne la dernière release, et puis tu le lances en bash gameshell.sh, en fait. Le jeu arrive à être dans un .sh qui regroupe tout. C'est assez bien fait. Les bidules de gamification de Twitch, ça te passe au-dessus. Ok. Bien. Donc, en fait, il veut qu'on affiche les étapes de la recette, mais pas le titre. Donc là, j'ai les étapes de la recette, mais j'ai le titre. Et ben, en fait, il y a 42 niveaux et c'est de difficulté croissante. Donc, si je fais un pipe tail comme ça... alors, 16. Là, normalement, j'ai tout, hein. Eh, hey, j'ai réussi. Alors, ensuite. Le vieil ermite a soif. Bah, je suis déjà allé chercher de l'eau, mec, hein. Y a pas moyen de faire je passe le jeu, je passe le niveau, là. Je t'ai déjà cherché de l'eau, non? Ah, mais il veut de l'eau d'ici, et c'est pour ça. Donc, il faut afficher les étapes de la recette, mais rien d'autre. Ok. Allons-y. On va reprendre où est passée la table des matières. Hop. D'après le dépôt, le dev du jeu a commencé il y a quelques mois, donc on peut espérer de nouveaux niveaux avec des levels de plus en plus élevés. J'espère. Je leur souhaite, en tout cas. Et on parlait de l'eau distillée, qui est page 13. Donc, page 13. Sauf qu'en fait, on a l'eau distillée plus la bière du roi. Et si je me rappelle bien, il veut qu'on affiche les étapes. Voilà, mais rien d'autre. Donc là, je vais faire... hop, on va faire un head.
Et on va lui afficher 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Donc là, on a juste l'audistillé, mais on a le titre. Et comme on ne veut pas le titre, on va afficher uniquement les 3 dernières lignes. Hop. Ça m'a l'air pas mal. Super. Allez, mission suivante. Un lutin espiègle a lancé un sortilège qui fait apparaître des traces de charbon un peu partout dans le château. Trouvez ce sort... Ah bah... Eh mais... Là, ça va être comique. Il faut que je trouve le sortilège. Et le sortilège est un processus. On va commencer à jouer avec PS et Kill. Et... Alors oui, vous... Alors, je l'ai utilisé bien avant, mais effectivement, CTRL-L qui permet de... Hop, voilà. Et dans PS, j'ai... Hop, allez. Bim. Ouais, j'ai réussi. Cool. Donc, pour résumer, hein, pour revenir, hein, donc j'ai fait un PS et puis j'ai fait un kill du numéro du processus. Et les trucs qui me faisaient les petits sortilèges comme ça, bah, il est allé voir ailleurs si j'y étais. Enfin, je pensais. Le lutin espiègle a plus d'un tour dans son sac. Tu commences à m'embêter, lutin espiègle. Il a réussi à protéger son sortilège contre la plupart des tentatives de sabotage. Oh. Vous devez trouver ce sortilège. Alors, hop. Vous devez trouver ce sortilège et tenter de le supprimer avec le signal standard. Si ça ne marche pas, essayez un signal plus brutal. Alors. Tac, tac, tac. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que ce que n'indique pas le LED, c'est les différents numéros de signal, en fait. Et remarque, il parle pas des numéros, il parle juste de termes et de kills. Donc, si je fais un petit PS, on a notre sortilège qui est là. Et donc, si je fais un kill moins... S, c'est ça, hein, kill moins S, et on va lui dire sig term, hop, non, ah, il y a plusieurs sortilèges, kill moins, bon, je vais faire kill moins 1, hop, voilà, non, on n'a pas testé le signal term, bah si, bon. Voilà. Décidément, il est relou, hein. Maintenant, je veux sa mort. Sérieux? Mais pourtant j'ai utilisé. Ah mais j'ai fait. D'accord, en fait, faut d'abord que je fasse un terme et ensuite que je fasse un kill. Terme sur sortilège, voilà. Il va falloir faire mieux que ça, ok. Eh ben écoute. Voilà. Sérieux? Ah. Hop là. Voilà. Décidément. Alors. Alors, PS. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Allez. PS. Non, pas PS. Kill moins S. Terme. Sur celui-ci. Voilà. Il va falloir faire mieux que ça. Ok. Kill. Ensuite... Un PS, il y a encore un sortilège. Donc, je le désingue. Et cette fois-ci, je le désingue vraiment. Oh, qui commence à me... C'est que je suis pas assez rapide ou... Ah, il y en a peut-être plusieurs.
Non, toujours pas. Ah, attends, si ça se trouve. Hey, merci pour le follow, Mukbo. Et bienvenue sur le live. Hop là. Je sais pas depuis combien de temps tu nous regardes, mais pour le moment, il changerait pas de PID sur le moins externe. Ah, c'est. Oh! Oh, merci! Merci! Merci beaucoup, Mukbo! Ah, ça, c'est très gentil. Merci pour le sub. Merci beaucoup. Ça fait très, très, très plaisir. Ça fait vraiment très plaisir. Nous avons un sub ce soir. Franchement, ah, je suis touché. Je suis touché. Ah, ça, c'est chouette. Ça, c'est très chouette. Ah, ça me fait vachement plaisir. Merci beaucoup. Merci. J'ai du mal à croire que quelqu'un se soit dit, tiens, ça peut valoir de lui filer de la thune. Je te suis extrêmement reconnaissant. Voilà. Bien, on va essayer de l'avoir. Donc, il ne changerait pas de PID sur le moins S terme. C'est probable. C'est probable. Alors, a priori, hop. Hop. Ah, c'est qu'il en met deux en fait. Hop. Voilà. C'est qu'en fait, quand tu fais le terme, en fait, il se duplique. Bonsoir, Origin by 23. 23, pardon. Origin by 23. Pourquoi j'ai voulu le dire en anglais? J'espère que tu passes une bonne fin de week-end. Merci, John. Alors, le lutin compare sa magie avec une fée. Oh, ce niveau-là, il va être coton. Il va être coton. Le lutin compare sa magie avec une fée. Ils se sont retrouvés dans la cave et le lutin conjure des morceaux de charbon pendant que la fée conjure de délicats flocons de neige. Supprimez les sortilèges du lutin ainsi que tous les morceaux de charbon qui jonchent la cave, mais laissez les flocons. Remarque, ne tuez ni le lutin ni la fée. Ok. Donc on a une option qui s'appelle PS3. Ok. Donc si je fais un petit PS3. Oula, il me montre même System D. Ok. PS3 moins P avec les nanana. Ok, donc. Hop là. PS3 moins P et on va faire dollar dollar. Ah, voilà. Là, on a une vue qui est sympa. On a une vue qui est sympa, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me botte bien comme vue. Alors, hop. Alors. Donc on a une gentille fée, on a un lutin espiègle, et on a en affichage leur numéro de PID. Et donc, il faut que je supprime les sortilèges du lutin. Donc, si je dois supprimer les sortilèges du lutin, c'est ça, en fait. Et alors on dit les sortilèges, on ne dit pas le tail. Bah justement, Origin by 23, c'est un jeu qui est assez sympa, comment dire, qui permet justement de progresser et qui, alors là on est à la mission 29, mais la mission 1 est assez basique, c'est pas mal. Tiens, je peux même te montrer l'index des niveaux avec la commande GSH index. On voit que voilà, on a fait les 28 premiers, on les a tous réussis. Et tu vois qu'on a vraiment des trucs au début qui sont basiques. Et puis après, t'as de l'intermédiaire. Et puis ensuite, t'as des trucs un petit peu plus costauds. Donc c'est plutôt pas mal. Ça te prend par la main, ça t'indique quelle commande il faut utiliser. Donc si tu veux progresser, je trouve que c'est un excellent moyen. Et puis, je trouve ça sympa, même quand on est expérimenté, de revenir dessus une fois de temps en temps pour revoir certains concepts.
Donc, revenons à notre niveau 29. Notre niveau 29, il va falloir donc... Il va nous falloir donc... Hop. Dégager les sortilèges du lutin. Ainsi que les morceaux de charbon. Hop. Alors, je suis où? Il faut aller dans la cave. Donc, cette demeure, c'est dans le château, la cave. Hein. Ouais, c'est dans la cave. Oh, bah voilà. Voilà, il y a du charbon, il y a des flocons de neige. Hop. Ah oui, hop. Alors, on va peut-être faire juste ça, comme ça. Voilà. Ok, donc on a une vue un peu sur tout ce qui se passe hein, maintenant. On sait qu'on a des processus, on sait qu'on a plein de fichiers qu'il va falloir dégager. Ce que je voudrais vérifier quand même, c'est faire un ls-a, grand A. Hop. Oui, c'est basé sur des commandes de Bash Unix, oui, tout à fait. A priori, il n'y a pas de fichiers cachés dans les charbons. Il n'y a pas de fichiers cachés. Ok, ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc, on peut faire ça. Et on peut faire hein, kill-s terme de tous les sortilèges. De, alors, pas de la gentille fée, mais du lutin. Voilà. Ok. Et j'ai réussi. Alors, je vais revenir sur cette mission un petit instant. Hop, donc normalement, je peux faire un GSH. Bon, c'est pas grave, je vais continuer. Hop. Pour progresser en magie, il faut maîtriser le calcul mental. Préparez-vous car Merlin? Merlin est parmi nous, attention. Hein. Pom 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 pom. GSH check. 52 plus 51. Bah, ça fait 103. Alors, ça fait 107. Merci pour le follow, OriginBy23. Ça me fait très plaisir, merci beaucoup. 28 et 44. Alors, 8 et 4, 12. Donc, on est à 32, 72. 59 plus 28, 78, 87. Bravo. Ouf. Je vois pas pourquoi il me fait faire ça. Je pense que j'ai... Alors, la mission 30, je vous avoue qu'elle me laisse perplexe. Mais bon. Multiplication. Attention, il y a maintenant une limite de temps. Il paraît que la bibliothèque du château contient des ouvrages de mathématiques et des carnets cachés. Commande utile. Commande remplace l'entrée standard de la commande par un fichier. Au lieu de lire les lignes sur le périphérique clavier, la commande lira les lignes du fichier. Allons-y. Dans la bibliothèque du château. Je te fais penser à un pote que tu as connu à 42. Bah écoute, ça a l'air d'être quelqu'un de sympa, ce pote. Merci pour le follow, Fiat Minimis. Ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Ouais, l'école de Tonton Niel. Je n'y ai jamais mis les pieds, en tout cas pas en tant qu'étudiant. Je m'y suis rendu une fois pour une... pour un, comment dire, un genre de conférence ou d'atelier qui avait été fait par... Par des gens de l'AFUP, l'association francophone des utilisateurs de PHP. Et le bâtiment a l'air chouette. Hein. Alors, on nous dit que c'est dans la bibliothèque du château. Oh bah, le plaisir est pour moi. Je dirais même partager, hein. J'aime partager ça, justement. Bibliothèque du château.
Hop, bib. Elle est où la bibliothèque? Elle est dans le bâtiment principal. Bureau de Merlin, mathématiques en première année. Hop. Ok. Donc si ça se trouve... 13 plus 80, bon bah ça fait 93. Dommage, la réponse était... Ah oui, 13. Ah oui, c'est 13 fois 80. Ok. Ah, attends, il y a un truc qui me chiffonne. Bouquin de maths. Et le bouquin de maths, il indique juste des chiffres comme ça? Commande. GSH. Alors attends, si on fait un GSH check et qu'on lui donne à manger le bouquin. Vous pensez à ce que je pense? Ah bah ouais. Je lui ai donné à manger le livre des réponses en fait. Pas mal, non? Franchement, c'est pas mal, non? J'ai jamais été aussi rapide en calcul mental, hein. Alors, pendant que vous attendez, un escargot passe. Ok, pourquoi pas. Les vieux grimoires de Merlin sont stockés dans son bureau, dans la bibliothèque. Vous devez fournir une liste de tous ces grimoires et rien d'autre dans un fichier inventaire.txt dans le tiroir. Ah, on commence à jouer avec les redirections dans les fichiers. On va s'amuser là. Alors, donc les vieux, une liste de tous ces grimoires. LS, bureau de Merlin. Bureau de Merlin. Donc on a tous ces grimoires. Ok. Ok. Et tout ça... Il faut le mettre dans un fichier inventaire.txt dans le tiroir. Et il se trouve que dans le bureau, on a un répertoire tiroir. Alors vous ne le voyez pas, on va faire ça, voilà. Comme ça, là vous le voyez, on a un répertoire tiroir. Donc, je reprends, je fais ça, et je vais rediriger la sortie dans... Bureau de Merlin, slash tiroir, slash, et on nous a dit inventaire.txt. Hop. On va peut-être jeter un œil d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a que les... Ok, c'est bon. Bon, bah allons-y, hein. Hop, mission a échoué. Ah bah mince alors. Et alors, je sais pas si vous avez vu, mais effectivement, il y a une petite animation avec un canard. Le contenu n'est pas correct. On a dit qu'il faut une liste de tous ces grimoires. Peut-être que non. Ah oui, peut-être. Il faut que j'aille dans le bureau. Peut-être que c'est ça, oui, effectivement, John. Qu'un fichier. Ah bah oui, fatalement, si je... Voilà. Ouais, c'est ça. Ah, le petit canard qui passe. Donc, bien vu, John. C'est effectivement le nombre de dossiers en trop. Et nous sommes déjà à la mission... À la mission 33. Et il est 19h34. Ça va, on avance bien. Hein, on avance bien. Les vieux livres d'alchimie de Merlin sont stockés dans son bureau, dans la bibliothèque. Ok. Est-ce qu'il va nous apprendre comment changer le plomb en or, à votre avis? Vous devez afficher une liste
exploitables, des grimoires contenant le composé alchimique GSH pour glutathion. Attention, ce composé peut être écrit avec des lettres en minuscules et majuscules mélangées. Oh. Certains grimoires sont cadenassés, vous n'avez pas la permission de les consulter, ignorez-les. Seule la liste des grimoires est demandée, les composés alchimiques ne doivent pas être affichés. Bien. Dans son bureau, dans la bibliothèque, et il nous faut la liste des grimoires. Ah, on va commencer à faire joujou avec Devenul et avec Grep. Voilà. Je me suis retenu, honnêtement, j'avais envie d'utiliser Grep dans quelques trucs tout à l'heure. Là, honnêtement, maintenant qu'ils nous disent d'utiliser Grep, et qu'on va pouvoir en plus jouer avec STD Out et STDR. Donc l'affichage du résultat sur la sortie standard, STD Out, et l'affichage des messages d'erreur sur la sortie d'erreur. Bien. Donc, il faut afficher la liste des grimoires contenant le composé alchimique GSH. Alors, dans son bureau, dans la bibliothèque. A priori, nous sommes dans le bureau. Et si je fais un 4 dans un grimoire, j'ai plein de trucs. Et si je... Hop. Alors, grep-i, peut-être. Mince. Grep-i, GSH. Alors, je vais tricher un petit peu. Ah, voilà. Je savais bien qu'il était caché quelque part. Et donc, si je fais ça, et que je fais dans le grimoire étoile... Et là, j'ai plein de trucs en mode permission non accordée. Ok, donc on nous a dit de les ignorer. Ok. Ça se trouve, c'est dans ces grimoires-là qu'il y a la recette pour changer le plomb en or. Hein. Et donc... Et il nous faut afficher une liste exploitable. Ok. Donc, n'affiche pas les lignes, mais seulement les noms des fichiers qui contiennent la chaîne. Ok. Et ensuite, on renvoie l'erreur dans DevNull. Voilà. Donc là, normalement, on a tout ce qu'il nous faut. Et j'enlève la couleur quand même. Ouais! Cool. Alors... Ensuite, mission 34. Merlin, oh bah non, pauvre Merlin, deviens pas fou Merlin. Il fait les 100 pas dans la tour de l'observatoire et tient des propos incohérents, voire incompréhensibles. Il faut filtrer son charabia afin de trouver la clé secrète qu'il est le seul à connaître. Ah mais, je t'en prie Mungbo, moi ça me fait plaisir aussi. Ce jeu m'amuse beaucoup en plus. Donc... Ce niveau, alors je l'ai déjà fait, il est un petit peu, comment dire, il est coton aussi. Alors, il est passé où Merlin? Il est où? Il est dans la tour de l'observatoire. Donc déjà, on retourne à la base, on utilise la commande tri. Où est la tour de l'observatoire? Observatoire. Hop, voilà. Donc l'observatoire, grande salle. Ah, donc c'est dans le château, non? Château, bâtiment principal. Château, bâtiment principal. Non? Non. Mince. Bon, find. Point. Oui, j'ai le droit à find, effectivement. Moins type D, moins name.
Observatoire. Ah bah. J'ai envie de dire qu'il était devant moi. Hein. C'est genre, c'est. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Ah, tiens, le voilà. Allez. Et on a Merlin et carte du ciel. Alors. Donc. Si on fait. Point slash Merlin. Ok. Donc, effectivement, il raconte des trucs incompréhensibles. Et j'ai une jolie carte du ciel. Et donc, il faut filtrer son charabia. Alors, on nous signale qu'on peut effectivement renvoyer la sortie standard. Donc, je suis un point slash Merlin. Je renvoie ça dans, on va dire, Merlin.txt. On va faire stdout.txt. Je voulais faire stdout.txt. Et ensuite... The secret key is on STDR. Hum, amusant. D'ailleurs, je l'ai mal fait. On m'a rien dit et je l'ai mal fait. Alors, je recommence. Ça, ok. Ensuite, le Merlin 2, je ne veux pas le mettre dans STDOut, je veux le mettre dans STDR. Voilà. Est-ce que tout le monde arrive à piger là ce qui est en train de se passer? C'est assez intéressant. Je suis allé assez vite dans les niveaux, même certains. Là, j'aurais aimé revenir dessus, mais là, il se passe un truc intéressant. Il se trouve que la sortie standard, de la commande Merlin. Elle dit « The secret key is on STDR ». Et en fait, STDR, c'est les propos incohérents. Et un truc qui est amusant aussi, c'est qu'il nous signale, qu'on peut faire ça, qu'on peut donner un fichier à manger à une commande. Donc si je fais point slash Merlin et que je lui donne en entrée la carte du ciel, il me dit toujours des trucs bizarres. Et si je dis montre-moi ça dans non, je pense qu'il y a un truc là, Le but du jeu, ça va être... Alors, il y a fort à parier. Il faut la clé secrète en utilisant une redirection de fichier. Pas forcément, justement. De mémoire. Et en plus, si tu fais un GC, il te demande la clé secrète. Hop. Et il dit bien, c'est exact, mais vous devez tirer une... Voilà. Ok. Donc, à partir de là, on a compris que il fallait faire une redirection de fichier à la commande Merlin. Merlin nous donne la clé secrète, mais il nous la donne sur la sortie d'erreur. Et ensuite... Il faut encore utiliser une redirection pour réussir cette mission. Donc, on refait un GC, mais cette fois-ci, on va lui donner Merlin2.txt. Et, ah, ce n'est pas la clé secrète. Pourquoi ce n'est pas la clé secrète? Parce qu'en fait, il y a une part d'aléa dans ce niveau. C'est un truc que j'ai remarqué en le refaisant plusieurs fois au préalable. C'est qu'en fait, faut relancer le truc. Et au bout d'un certain temps, en fait, il change de clé. Donc on fait ça. Et ensuite, on fait ça.
C'est alors je pense qu'il y a moyen de balancer tout ça en une seule commande, mais je trouve que c'est assez instructif déjà de voir. Enfin, ça c'est déjà assez comique. Déjà pour le trouver en raisonnement. Oui, la carte du ciel était nécessaire. Si tu reviens. Il dit bien. Il y a fort à parier que le message soit truffé d'erreurs. Pour. Et donc il faut filtrer son charabia. Et en fait, le fait d'utiliser la carte du ciel permet de filtrer son charabia, en fait. Je ne sais pas exactement ce que fait le programme Merlin, pour être tout à fait honnête, hein, John Livingstone. Je ne sais pas trop ce que ça fait, mais... juste celui pour GC. Ah, peut-être. Peut-être. Ça peut se retester à l'occasion. Mission 35. Il est déjà 19h45. Ça avance bien. Hein. L'accès au quartier du roi se trouve dans la salle du trône. Rendez-vous dans la chambre du roi. Il est probable que l'accès à cette partie du château vous soit interdit. Ah. Commande utile, chmod et ls-l. Ah. Là, on commence à jouer avec les droits. Alors, l'accès au quartier du roi. Allons-y. Donc déjà, pour aller dans la chambre du roi. Salle du trône, chambre du roi. Hop. Effectivement, on peut pas. Alors, je peux pas aller dans la chambre du roi. Est-ce que je peux aller... Ouais, je peux aller dans la salle du trône. Ça, c'est cool. Et là, je vois que, en fait, il me manque les droits d'exécution. Je sais pas s'il les parle, les droits d'exécution. Modifier les droits... Nanana. Consultez le début de la page de manuel pour découvrir comment spécifier les droits d'accès. Hop. Le format d'un mode symbolique, ok, où la permission vaut soit 0, soit plusieurs lettres de l'ensemble R, W, petit X, grand X, S, T. Soit une seule lettre de l'ensemble U, G, O. Plusieurs modes symboliques peuvent être utilisés ensemble, séparés par des virgules. Alors, pour être complètement transparent, moi ce mode-là, je ne l'utilise jamais. J'utilise le mode octal. Je suis curieux de savoir si certains parmi vous utilisent plutôt le mode texte plutôt que le mode octal. Hop. Et donc on peut faire avec l'opérateur plus, on peut ajouter effectivement les bits comportant les droits ou on peut utiliser l'opérateur moins. Tu utilises les deux X Doomer 01. Tiens, je suis curieux de savoir lequel. Et Corben. Alors, laisse-moi deviner, Corben. Tu utilises les modes plus comme ça dans des scripts, peut-être. Ce serait peut-être plus lisible, en fait, dans les scripts. Oui, le CH mode plus X, tout à fait. Ça, c'est un classique. C'est un classique, effectivement. C'est justement ce qu'on va faire ici. Hein. CH mode, un petit CH mode plus X, hein, de Chambre du Roi. Hop. Et on voit bien qu'il m'a ajouté X ici, ici et là. Et donc c'est bon à savoir qu'il faut au moins les droits d'exécution pour pouvoir traverser un répertoire. Dans les scripts, tu préfères le mode octal. Tu connais le résultat exact. Ah d'accord. Moi j'avoue que j'utilise le mode octal quasi exclusivement, sauf quand il faut juste faire effectivement un plus X. D'ailleurs, ceux qui étaient là en début de stream ont remarqué que c'est ce que j'avais fait pour lancer le jeu. Hein. J'ai d'abord fait un CH mode plus X, et ensuite j'ai exécuté le jeu. Donc, c'est des chambres du roi. Hop. C'est tout, faut juste aller dans la chambre du roi. Allez. Mission 36. Il paraît que le roi garde la combinaison de son coffre-fort notée sur un bout de papier dans sa chambre. Trouvez la combinaison du coffre du roi. Le roi a probablement essayé de rendre ce papier illisible. Donc on a un bout de papier. Et on a un bout de papier secret.
Heureusement que je l'ai vu grâce au moins grand A. Et là, si je tente de lire le bout de papier... Alors, il y a le bout de papier qui contient des choses. avec un code assez bidon. Et si je tente de lire le bout de papier secret, bah là, je me rends compte que je n'ai pas le droit. Donc, chmod plus R sur le bout de papier secret. Et là... Donc, si je tente ça, il me demande quelle est la combinaison du coffre-fort du roi. Hop. Mission 36 réussie. Ok. Le coffre-fort dans la salle du trône contient la couronne du roi. Oh. Bonsoir, Jalador. 11 sur 20. Comment ça va? Bienvenue sur le live. Le coffre-fort dans la salle du trône contient la couronne du roi. Vous devez la déroger. Ah bah ouais, voilà, on va aller piquer la couronne. Une séquence magique de 3 chiffres est inscrite au bas de la couronne. Regardez ces chiffres et souvenez-vous-en. Allons-y. Elle est dans la salle du trône. Alors, coffre-fort. Permission. Allez, chmod plus X, coffre-fort. On va aller dans le coffre-fort. Ah! Alors, je sais plus s'il nous l'indique dans le... Non. Hop. Alors, je vais expliquer un peu ce que je fais. Je vais faire un chmod récursif et je vais être verbeux. Parce que je veux voir qu'est-ce qui se passe. Et le mode octal 0755, il dit que... donc on fait pas de modif sur certains bits. Le 7 me donne lecture, écriture, exécution. Et le 5 me donne juste lecture et exécution. Et pourquoi je mets plusieurs modes, c'est que c'est... Donc, les premiers tirets sont en fait pour l'utilisateur, les autres tirets sont ensuite pour le groupe, et enfin pour tous les autres utilisateurs du système. Donc, owner, groupe, enfin, user, groupe, owner, other, pardon. User, groupe, other. Donc, 7 pour user, 5 pour groupe, et 5 pour other. Et donc, on a un fichier couronne. Et il y a donc 628 au bas de la couronne. Donc, on va aller piquer la couronne. Le roi va pas être content. Hein. Je pense que je vais me faire défoncer par le roi. On a dit forêt. Et ensuite, dans ma hutte, dans mon coffre. Quels sont les 3 chiffres au bas de la couronne? Ça va, 628. Oui, Jalador, c'est relativement nouveau, le projet a moins d'un an. Je crois que c'est John Livingstone qui avait regardé les dates des commits sur GitHub. Ah, merci encore pour le partage du lien, John Livingstone. Mission 37. Tout à fait. En fait, le jeu est d'origine française, en fait, Jalador. Donc le jeu est parfaitement utilisable en français. Il a été traduit en anglais aussi. Et j'ai spécifié justement de lancer le jeu en français. Puisque mon système à moi est en anglais par défaut. On a un rubis dans le labyrinthe du jardin. Et on va aller piquer le rubis. Le nom du fichier ne contient pas la chaîne rubis. Ah bah. Comme il n'y a pas beaucoup de fichiers dans le labyrinthe, une stratégie est de chercher les fichiers par opposition au répertoire et de regarder à la main celui qui contient la chaîne Ruby. Donc on va aller faire un find et puis ensuite on va pouvoir aller faire un petit... il nous dit de faire un cat. Il nous dit pas d'utiliser des greppes, tiens. Vous devrez consulter l'aide pour comprendre comment l'utiliser. Donc bah déjà on va aller dans le labyrinthe du jardin. Ok, donc find.type f. Donc déjà ça,
ça nous indique tout un tas de fichiers. Moi, ce que j'aime... alors, je suis pas forcément très fan du Xargs, ou du moins exec. Grep, hop, il nous disait quoi? Hop, grep, la chaîne Ruby. Grep Ruby dans... si je me rappelle bien, c'est comme ça. Fichtre. Merci pour le follow, ZeroXHunster. Ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Ça, c'est cool. Et puis, bienvenue sur la chaîne. Hop, alors, find. Alors. fr.utf-8 man find. Hop là. Voilà, comme ça pour les gens qui sont pas à l'aise avec l'anglais, je vous affiche la VF. Voilà. Hop. Et je reprends. Voilà. Oh hi, ZeroXHunster. You're not speaking French. So, I'm playing a game called Game Shell, which is a game to help people, especially students, to learn the basics of Unix shell. I would say that's especially for newcomers to Unix shells. Ok, alors, je voulais chercher le exec, hop, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Ok, alors, où est-ce que je suis? Grep Ruby, bon, ça devrait être ça pourtant, exec. Donc, exécute la commande, vrai si le code de retour 0 est envoyé. Alors. Tous les paramètres qui suivent find sont considérés comme des paramètres pour la ligne de commande. Jusqu'à la rencontre d'un caractère... virgule. La chaîne avec les crochets est remplacée par le nom du fichier en cours de traitement. Ces deux chaînes. Ok, exemple. Ah, il y a des exemples. Donc ça, c'est cool. On va aller regarder les exemples. Alors, approche simple de find PyPixArgs. Ok. Ah, d'accord, il faudrait peut-être... Hop. Alors. Alors, il faudrait que je fasse... Ah non, il faut que je le fasse ailleurs. Hop. Comme ça, comme ça. Et il y a un espace ici. Paramètre manquant pour moins exec. Find point moins type F. Moins exec grep ruby. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste un premier truc. On va juste faire exec file. Find paramètre exec. Fichtre. Ah oui, c'est parce que... Hop. Ok, donc ça c'est bon. Et maintenant... Hop, on peut réutiliser ça. Voilà, donc je sais que j'ai le fichier 929. Alors, je vais peut-être faire un grep moins...
grep-h. Voilà. Ah, c'est le fichier qui s'appelle 3091. Donc c'est celui-là. Ok. Et je suis censé en faire quoi? Je suis censé... je vais piquer encore le rubis. Donc j'ai piqué la couronne du roi. J'ai piqué plein de trucs. Et là, je pique encore un rubis. Je suis un vrai voleur, en fait. Hein. Appelez la police. Hein. Hop. Et on MV ça dans... dans mes affaires. Combien il y a de missions? Il y en a 42. Il y en a actuellement 42. Mais les auteurs du projet sont pas contre que des gens rajoutent des missions. Hein. Donc, dans la forêt, dans la hutte, dans le coffre. Voilà. Super, j'ai réussi à la mission 38. Ça a été un petit peu difficile. Eh, mais il est déjà 20h. Oh, mais vous êtes 11. Il reste 4 missions, donc 3-4 missions. Pardon. Si je fais un GSH index, il me reste... Ouais, il me reste d'aller jouer à ça, ça et le... Ah là là. Alors je sais que le chiffre de César, le niveau est un peu... il est un petit peu... Là on est vraiment sur les derniers niveaux. Les derniers niveaux sont un petit peu plus corsés. Alors... Cette fois-ci, il faut combiner plusieurs commandes avec le tube, pipe in English, pour retrouver le diamant dans le labyrinthe et... Ok, donc c'est ça. En fait, je suis un voleur de pierres précieuses. Je voudrais pas dire, hein, le jeu est amusant, mais... question morale, on peut se poser des questions, hein. Qui ici a l'impression que je suis un voleur? Répondez-moi, tiens, dans le chat. Est-ce que vous trouvez que je suis un sale voleur, là? Alors. Le nom du fichier ne contient pas la chaîne diamant. Il faut donc rechercher un fichier qui contient la chaîne diamant. Non, je suis pas un voleur, Xzoomer. Tu estimes que je suis pas un voleur. Donc, pour retrouver le diamant... Alors, on va réutiliser la même chose qu'avant, hein. Je suis un mec sympa. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup, Xdoomer. Donc, a priori, si je refais la même chose, ça marche. Mais, a priori... A priori, on nous propose de refaire la même chose, mais avec X-Args. Donc... Ça tombe bien parce qu'en fait on a voilà, on a ça, on a la page de manuel de Fine qui nous dit comment le faire. Donc là on a tous les fichiers dans le labyrinthe. Et donc on fait pipe xargs grep diamant. Chercher les fichiers qui s'appellent core fine. Alors puis les effacer en veillant à ce que le nom des fichiers ou des répertoires qui contiennent des guillemets simples. Ok, donc normalement pipe grep diamant. Ok, et si je regarde par rapport à l'autre commande, on obtient le même résultat. Donc là, on peut voir deux manières différentes de faire la même chose. Je sais plus qui c'est qui m'avait parlé de X-Args tout à l'heure. Non, personne? Je pensais que quelqu'un m'avait parlé de X-Args. Hop, non, personne. Bon, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Donc, on a ça. Et le but... Ouais, c'est ça, c'est de piquer le diamant. Donc, ce que je peux peut-être même faire, c'est faire ça. Et pipe MV. Puisqu'a priori, hein, on peut aller... On peut faire ça. Hein. Donc, pipe XArgs MV. On va faire un MV-V.
Et on va aller mettre ça dans, dans notre coffre. Donc tilde le coffre, on a dit qu'il était dans la hutte et on a dit que la hutte elle était dans la forêt. Donc forêt, hutte, coffre. Ah, la cible n'est pas un répertoire. Ah oui, c'est un fichier. C'est un fichier. Ah mais d'accord, faut que je mette... Ah oui, parce que là du coup, j'inverse l'ordre. Ouais. Alors. Il faudrait que j'arrive... Alors là, dans ce cas-là, je vais peut-être aller chercher la page de manuel de X-Args. Est-ce que j'ai... Tac, tac, tac. Alors non, non, je l'adore. En fait, MV, le principe, c'est de dire source-destination. Sauf qu'en fait, la commande xargs va te mettre ce que nous, on veut être la source, après. Donc en fait, là, il voulait me faire MV ça dans ça. Alors que c'est le contraire qu'on veut. À moins qu'il y ait une option qui dit vas-y, fais l'autre. Voilà, source cible. Tout à fait. Hop. Je pense qu'il va vraiment falloir que le bot Streamlabs, il va falloir que je le désactive. Hop, alors. Que nous dit Xargs? Xargs nous dit qu'il y a moyen peut-être. Moins i, moins grand L, moins grand L. Nombre. Open interactif. Ok. L'argument de moins t. L'argument... Ah! L'argument moins t. Target directory. Bien vu! Bien vu, Jalador. Bien vu. Bien vu. Ah. Eh ouais, on en apprend tous les jours. Alors, par contre, il me dit impossible d'évaluer aucun fichier ou dossier de ce type. Impossible d'évaluer de diamant. Ah, il donne tout X. Ah oui, punaise. Ah ouais, il affiche tout, en fait. Il affiche tout. Donc, il faut que j'enlève mon grep-h. Hop là. Hop. Et si j'enlève le moins H, qu'est-ce que j'ai là? J'ai juste... J'ai ça. Ah mais j'ai ça, j'ai diamant et j'ai ça. Et nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est d'avoir le chemin... Ah, il nous faut le chemin complet en plus. Il nous faut le chemin complet. Donc en fait, avoir le moins H, c'est intéressant. Voilà. Mais je pense qu'il y a moyen de faire joujou avec grep. Il y a moyen de faire joujou avec grep. On peut peut-être lui dire juste... Voilà, silencieux, ne rien écrire sur la sortie standard. Donc si on lui dit moins grep, moins QH. Ah, flûte. Pas très malin. Supprimer les messages, non. Byte offset, non. File name, ok. Label, line number. Ouais, alors ce serait peut-être un peu dommage parce que en SED, je pense que c'est un peu hors... Après, dans l'absolu, j'ai récupéré l'info, je peux faire le MV à la main, hein, c'est juste
C'est juste pour s'amuser, là. Moins haut. Moins haut. Hop. Moins haut, moins haut. Only matching. N'afficher que les parties non vides correspondant des lignes sélectionnées. Chaque partie étant affichée sur une ligne séparée. Alors, John Livingston, je vais réafficher l'objectif. Tiens. Donc, il faut combiner plusieurs commandes avec Pipe pour retrouver le diamant dans le labyrinthe et le déplacer dans le coffre. Ouais, non, mais a priori... Hop là. Voilà. Donc... Ouais, donc il faut que j'utilise un X-Arz. Très clairement. Donc on n'est pas en train de... Donc... Grep doit pouvoir... Ah, ne pas afficher les résultats normaux à la place indiquée le nom des fichiers. Donc on peut faire un grep-l en fait, au lieu d'un grep-h. Voilà. Job done. Job done. Et voilà, mission 39 réussie. Et en plus, quelqu'un nous avait déjà soufflé un grep-l un peu plus tôt dans le stream. Faut vraiment que je mémorise cette option. Elle est intéressante. Allons-y, mission 40. À côté du château se trouve une échoppe. Les habitants achètent souvent à crédit et remboursent quand ils peuvent. Afin de garder le compte des dettes de chacun, le propriétaire note tout sur un parchemin. Lorsqu'une dette est remboursée, il inscrit payé à côté de celle-ci. Combiner plusieurs commandes avec le pipe. Bah tiens, là ils disent pipe, ils disent pas tube. Donc, faudrait que je revoie dans d'autres. Hop, alors j'avais un truc quelque part. Hop, donc on est à la mission. On est à la mission 40. Mission 40. On parle de pipe. Et pas de tube. Personne dit tube, c'est ça. Allez. On reprend. Il faut déterminer la dette du roi. Vous ne disposez que de 3 commandes pour atteindre cet objectif. Vous pouvez réinitialiser le compteur avec la commande GSH Reset, mais dans ce cas, l'échoppe sera régénérée. Ah. Lorsqu'il n'y a pas de souris... Ceci n'est pas un pipe. Private joke avec le début du... C'est ça. J'aime beaucoup John Livingston. lorsqu'il n'y a pas de sous-répertoire, une alternative à find nanana est d'utiliser LS et de filtrer le résultat avec grep. Ok. Allons-y. Donc il faut aller à côté du château. Hop. Il y a une échoppe. On a une échoppe. Objet sans intérêt, objet sans intérêt. Et là, on a un parchemin. Donc, on a un parchemin. Et donc, on a à chaque fois des trucs, et on doit avoir... Voilà, le roi a acheté un bâton de marche pour 5 pièces 7 payées. Donc, on va faire grep roi dans le parchemin. Voilà. Pipe grep moins V... Payer. Ok.
on avait que... Si, si, on avait... Alors, que les choses soient claires. Ce genre de mission, ça se réussit jamais du premier coup. Donc on fera un GSH reset et on ira recommencer, en fait. Donc... Il faudra... Lorsqu'une dette est remboursée... Ok, donc il va falloir... Il faut déterminer la dette du roi. Alors... Donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à récupérer... Ah, il y a un truc qui me chiffonne dans ce truc-là. C'est comment tu veux... Voilà. Et si je fais ça? Alors. Le truc, c'est que si ça a été réinitialisé, ces fichiers, ces trucs-là, hop, ils sont très certainement... Voilà. Quelle est la dette du roi? Alors, 2 et 5, 7, et 2, 9, et 4, 13, et 6, 19. Bien. Nous sommes mission 41. On se rapproche de la fin. Utilisez plusieurs commandes avec Pipe pour connaître le nombre d'achats impayés. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule commande. Vous pouvez réinitialiser le compteur avec la commande GSH Reset, mais le shop sera régénéré. Donc, déjà, Pipe Grape, on avait dit moins V. Alors, déjà, objet sans intérêt, donc. Voilà, donc on a à nouveau un parchemin. D'ailleurs, je vais pas faire un 4, hein, je vais faire un laisse tout de suite. Hop. Étoile. Étoile, voilà. Et donc, on a des trucs payés, 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 payés. Donc là, cette fois-ci, on fait un grep, grep-v, payé. Ok, donc on a tout ce qu'il nous faut. Et c'est quoi le but? C'est d'avoir le nombre d'achats impayés. Et effectivement, alors, on a plusieurs manières de s'y prendre. Effectivement, on peut faire ça. On peut balancer ça dans Word Count, qui a une option qui est -L. Hop, on va aller... qui donc dit... moins grand L, juste pour compter le nombre de lignes. Mais ce qui est amusant, c'est que si on va chercher dans grep, ouais, le WC-L, c'est vraiment super pratique, utilisé aussi régulièrement. Et en fait, je pense que grep permet d'afficher directement le nombre de lignes. Alors, je vais revenir au début. Je crois que grep est capable de le faire. Je me trompe peut-être, hein. Je me trompe peut-être, mais je pense que grep est capable de le faire. Alors, ce qu'on veut, Jalador, c'est le nombre d'achats impayés. On veut pas savoir le prix des trucs. Ne pas afficher à la fin un décompte des lignes correspondant. Donc ça, c'est un décompte des lignes. Ah, ça doit être ça. Mais est-ce que ça passerait avec... Hop. Ouais, 54 aussi. 54 aussi. Bon, après, le but du niveau ici, c'est d'apprendre à faire des redirections et d'utiliser la commande WC, je pense. Donc, on va faire un petit GSH reset. Et on va faire ça. Et on fait un... Combien y a-t-il d'objets impayés ? 46.
On va même être, tiens, on va être un petit peu plus sous. On va faire un GSH reset. Et ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça et on va piper dans le check. Voilà. J'ai perdu personne. J'ai perdu personne. Donc j'ai carrément donné directement le résultat de la commande de ces commandes là à au GSH check. Et maintenant nous atteignons la mission 42. Alors la mission 42, si je me rappelle bien, c'est ouais, c'est le chiffre de César. Alors cette mission là, je crois que j'avais mis quelque chose comme 20 à 30 minutes pour la réussir. Honnêtement, je suis un peu déçu parce qu'il est 20h20. J'espérais pouvoir boucler ça en moins de 2 heures. Après, sachant que je m'y suis réellement mis à 18h15, on n'est pas loin des 2 heures pour boucler le jeu quand même. Un message secret a été trouvé. Il est dans le tiroir du bureau de Merlin. Il a probablement été chiffré avec un décalage de César. Décryptez-le en faisant une recherche exhaustive dans le shell. Indice, tous les autres messages secrets de ce type qui ont été trouvés utilisaient un décalage compris entre 10 et 16. Remplace le caractère chaîne 1 de I par chaîne 2 de I. Tac, tac, tac. Donc on va utiliser la commande TR qui est elle aussi très pratique. Alors déjà, on va aller dans le tiroir du bureau de Merlin. Parce qu'on n'est absolument pas au bon endroit. Hop. Un petit find qui va bien pour aller très vite dans le tiroir. Et donc nous avons un message secret qui est complètement illisible. Tu avais jamais utilisé la commande TR. Moi, je l'ai déjà utilisée à plusieurs reprises, mais j'avoue que son fonctionnement est toujours pas forcément évident. Donc, et j'aime beaucoup la petite note, TR est une abréviation pour translate. Alors, donc on peut faire TR. A priori, c'est possible de faire des scripts dans le jeu. Je pense, ouais, tu peux utiliser un éditeur de texte. Et à partir de là, tu enregistres un truc dans le... Tu enregistres un fichier, puis tu peux l'exécuter. Hein. On peut essayer, hein, si tu veux. À un moment, on a ajouté des choses dans le fichier. Oui, on a ajouté des alias dans le fichier GamerC, ouais. Je peux même le remontrer. GSH... Hop, non, til. Point, GSHRC. Voilà. Donc c'est possible. Et... message secret. Donc ce que je voudrais faire, c'est faire un TR de... si je fais A-I... bah non, alors dans ce cas-là, c'est J-Z. A-I. De message secret. Alors, il faudrait que je fasse comme ça. Ou le contraire, plutôt. J-Z. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Sauf erreur, c'est le vrai bash qui tourne. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on nous a dit que, grosso modo, le décalage était compris entre 10 et 16. Donc...
Est-ce que je me suis trompé hein. Si je fais un écho de... Est-ce que ça marche si je fais comme ça? Non, je voulais faire A, Z. Parce que je les mémorise jamais. Si, c'est bon. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, donc... donc, ce serait... Il faut changer... Ouais, je me trompe, en fait, parce que là, du coup, je décale... Enfin... Si je remplace tous les A de A. Alors s'il faut que je fasse un décalage de tout ce qui est de A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc de A à J, de K à Z. Ouais, mais le truc c'est que là, j'ai pas le même nombre. Comment je l'avais fait? Oh punaise, j'aurais dû noter la solution. J'aurais dû noter la solution, je l'ai jamais, j'ai jamais retrouvé. Je l'avais cherché. Oui, A, Z, effectivement, ce serait peut-être ça. Hop, je vais le tenter, John Livingstone. J-Z-A-I. Alors, J-Z-A-I. Et ensuite, on va pouvoir commencer à décaler. Donc... C'est pas J, ce serait K. Hop. Et là, ce serait L. Et il faudrait que j'avance comme ça. L. M. M. N. On a toujours rien. N. Oh. Ah bah voilà. Tiens d'ailleurs on l'a en anglais. On l'a en anglais. Décryptez-le en faisant une recherche. Oui, petit tissu, effectivement. Effectivement. Hop, mission 42. En fait, moi c'est ce que je crois que c'est ce... Ah. Je sais plus comment je l'avais fait, mais je l'avais pas forcément fait comme ça. Je m'étais farci des décalages avec juste deux suites de lettres. Donc, mission 42, le texte. Le texte secret est en anglais. Sur OS en anglais. Malgré. Langue égale FR. Hop. Voilà. Bien, bien, bien. Hop. Alors, ils nous disent quoi? Décryptez-le. Ouais, ok. Et si on fait un... Donc... Si on fait ça, et qu'on fait un GC, il nous dit quoi? Quelle est la clé qui fait apparaître le coffre? Groff. Oh, bravo, voilà. Hop. Félicitations. Félicitations à John Livingstone, hein, parce que c'est toi qui as trouvé la solution. Félicitations. Bon, peut-être plus de 2 heures de stream, mais moins de 2 heures et demie pour réussir à finir le jeu. Bah, bien joué à toi, John. Bien joué à toi. D'ailleurs, Groff, c'est le nom d'un outil Unix, hein. Hop. Bah ouais, c'était bien sympa. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, hop, on va repasser dans ce mode-là. Voilà. Bien, et bah j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a bien amusé. Ça a été un bon moment de détente, d'amusement. Alors, bonne question, Jalador, tiens. Hop, allez, je vais revenir sur le... hop, sur le... ce terminal-là. Alors, on va faire un petit GSH exit. Voilà.
Et en image, j'utilise Fedora. Ah oui, merci, c'est bien vu de redonner le lien, John Livingstone. Donc ouais, c'était plutôt bien fun, je trouve. Donc voilà, je l'adore, je tourne sous Fedora 35 actuellement. Je tourne sous Fedora depuis maintenant plusieurs années. Utilisateur satisfait et comblé. Bien. Ben moi, ça m'a bien fait plaisir. En tout cas, j'étais bien content de pouvoir avancer dans le jeu comme ça assez rapidement. Et j'espère que vous avez pu apprendre quelques trucs. Moi, ça, je réapprends toujours des choses au fur et à mesure que je le refais. Hein. Chaque fois, je redécouvre des choses. Donc, je pense que c'est intéressant. On a pu voir quelques petits bugs que je pense que je vais vouloir remonter. Je pense que ça plaira aux développeurs de leur signaler. Donc, petit rappel, bah, je stream habituellement les jeudis et les dimanches. Les jeudis, généralement, je fais 20h-22h. Les dimanches, je fais 18h-20h. Enfin, là, j'ai un peu dépassé. Il y aura sans doute des trous dans les prochains jours. Je vous signalerai les jours où je vais pas pouvoir streamer. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne fin de week-end et puis un bon début de semaine. Bye!